Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'introduction de notre troisième section sur les différents opérateurs en JavaScript. Vous avez donc appris à déclarer des variables et des constantes. Regardons maintenant les opérateurs. En JavaScript, nous avons différents types d'opérateurs. Nous utilisons ces opérateurs avec nos variables et constantes pour créer des expressions. Avec ces expressions, nous pouvons implémenter la logique et les algorithmes. Voici donc les différents types d'opérateurs en JavaScript. Nous avons des opérateurs arithmétiques, affectation, des opérateurs de comparaison, logique et des opérateurs bitwise, donc au niveau du bit. Au cours des prochaines vidéos, vous allez en apprendre davantage sur tous ces types. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo sur les opérateurs arithmétiques.